mobilisation sur cette période parce qu'on était en mouvement contre la loi travail. Plus particulièrement devant ce Franprix, qui a été en grève à la même époque l'année dernière. Et juste souligner que c'est le seul Franprix, là, on en a croisé je crois deux ou trois, j'ai fermé un 1er mai, les autres étaient ouverts. C'est clair que quand on a eu un ministre de l'économie qui a encouragé l'ouverture et la dérégulation du travail le dimanche et les jours fériés, ça ouvre des boulevards aux patrons. Donc on a tous un boulot à faire, c'est d'aller, quand on fait nos courses, d'aller voir les caissières, de leur causer, de leur dire qu'elles ont des droits et qu'en s'unissant comme au Franprix République, on peut gagner. Dimanche prochain, les conventions collectives, la loi travail, c'était l'épisode 1, ils vont continuer à déréguler les conventions collectives et notamment revenir sur tout ce qui est rémunération, parce que c'est ça l'objectif, que les salaires se négocient au niveau de chaque boîte. Et là aussi, je pense que quoi qu'il arrive, il faudra construire un rapport de force collectif, tous ensemble. De la place de la République et on propose un départ collectif à 13h30